Salut tout le monde, on est le vendredi 7 février, il est 7h30 du matin et je m'apprête à entamer un petit voyage à Édimbourg avec mon frère et du coup j'avais envie de vous emmener avec moi et de vous vlogger tout ça. Donc là je suis juste à l'extérieur de ma maison. Je vais terminer de profiter un petit peu, de prendre du temps avec ma petite fille avant de partir à l'aéroport. Et il fait magnifique, je sais qu'on va avoir un superbe temps aujourd'hui. Après je sais que samedi dimanche il risque de pleuvoir. Donc le but de ce voyage c'est simplement de découvrir la ville et de faire un espèce de petit pèlerinage Harry Potter pour moi. D'aller voir un petit peu les cafés de naissance d'Harry Potter. Là où J.K. Rowling s'est installée pour écrire ses livres, l'école qui a inspiré Poudlard, le cimetière qui contient certains noms qui ont inspiré J.K. Rowling pour les noms de la saga. Donc bref, j'ai vraiment envie de faire un espèce de petit voyage un peu sacré. Ça va être un petit peu au feeling. J'aime pas trop préparer des voyages à la minute près, j'aime bien laisser un peu de place à l'inconnu. J'ai repéré quelques belles adresses, quelques boutiques Harry Potter évidemment, mais aussi quelques boutiques un petit peu ésotériques que certains d'entre vous m'ont conseillé sur Instagram. Donc j'ai hâte d'aller voir tout ça et puis ben à tout de suite. Ça me fait bizarre de vlogger. C'est trop gênant. Comment les gens ils font dans la rue? Bon. Hein? Ouais. Ok, du coup on est dans le bus qui nous amène vers l'hôtel. On a atterri il y a une grosse demi-heure d'ici. On a un peu galéré pour trouver le bus, l'arrêt, etc. Donc là, hop. Allez. Mon frère est juste là. Et on se dirige du coup vers l'hôtel. On a juste une heure de trajet en bus pour rejoindre l'hôtel depuis l'aéroport. Et puis on va certainement se balader dans le Old Town en fait d'Édimbourg. Parce que on n'a pas la chambre avant 16h je pense. Donc on ira se balader, on vous finira un petit peu et puis on retournera à la chambre. Et voilà. Ok, bon, on est dans le vieux village. Là, on va juste se balader un petit peu. On va probablement aller se boire un petit café et se poser. Bon, je vois Starbucks là juste au coin, c'est pas trop mal. Et puis, on va partir à la recherche des jolies petites boutiques du centre d'Édimbourg jusqu'à ce que notre chambre soit dispo. Thank you.
bon, on est de retour. Enfin, de retour, non. En fait, on vient d'arriver. On vient pas d'arriver, mais on est arrivé il y a un petit moment dans la chambre. En fait, c'est un appart-hôtel. Donc, je vous ferai peut-être un petit room tour demain, mais là, je suis crevée. Je vais juste vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, ce que j'ai fait de la journée et ce que j'ai acheté déjà. Donc, en fait, on est dans un appart-hôtel. Dans le quartier de Leith, je ne sais pas trop comment on dit. Donc tout au-dessus en fait d'Édimbourg. Il y a la mer juste à côté en fait. Et en fait quand on est arrivé, il n'y avait pas de chauffage nulle part. Donc c'était un peu... Bon là maintenant c'est bon, on a trouvé. Donc on est posé, il est 20h, pas loin de 20h30 je pense, 20h15, un truc du genre. Et alors aujourd'hui on a surtout... On s'est surtout baladé en fait dans la vieille ville et on a un peu pris nos marques, on a été voir un petit peu tout ce qu'il y avait, on a fait quelques boutiques, on a fait notamment quelques rues un petit peu classiques quand on va à Édimbourg, donc la Victoria Street notamment, la Candlemaker Row, un truc du genre, enfin c'est des petites rues mignonnes avec des petites boutiques sympas. Et en fait pour l'instant j'ai acheté que des trucs, des boutiques Harry Potter, donc je vous ai fait quelques images. Après franchement j'avais envie de profiter aussi de l'endroit et j'ai pas trop filmé, mais il y avait une boutique un peu plus officielle et une boutique moins officielle on va dire. Du coup je vous montre ce que j'ai acheté. Alors la première chose, je trouve ça juste trop trop beau, c'est une carte postale. Une carte postale, je vais essayer de vous la zoomer de près. Que vous ayez, hop. En fait, c'est The Elephant House. Alors, j'ai pas encore été voir, mais c'est le café, en fait, où J.K. Rowling écrivait Harry Potter. Donc, je suis pas encore allée le voir. Mais vous voyez, j'adore parce qu'il y a Dolores Umbridge, Albus Dumbledore, J.K. Rowling est juste là. Et en fait, c'est trop mignon, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça trop joli, cette illustration. Donc, j'ai pris ça, déjà. Alors, dans cette boutique-là, j'ai aussi pris, il me le fallait évidemment, ce carnet. C'est le Advanced Potion Making. En fait, c'est une réplique du vrai livre, en fait, de potions. Mais c'est un carnet. Je l'ai pas encore ouvert. Alors, il est trop mignon parce qu'il a les tranches argentées. Mais c'est un carnet ligné à l'intérieur. Tout simple. Mais il est super beau. Je sais pas si je vais l'utiliser un jour, hein, sincèrement. Mais voilà, j'aime trop. En fait, j'ai toujours dit que s'il devait y avoir une réplique complète avec les choses écrites à l'intérieur, vraiment la réplique du livre, ce serait celui-là qu'il faudrait, en fait. Le livre du prince de Sang-Mêlé, complètement, quoi. Oups, pardon, j'ai bougé la caméra. Ensuite, j'ai pris, en fait, une série de carnets. J'ai pris beaucoup de carnets. Parce que je trouve ça trop mignon et que ceux-là, je les avais jamais vus nulle part. En fait, ce sont des carnets, comme des carnets notes pour les cours, en fait. Donc, on a le cours de botanique. C'est des petits carnets vraiment tout fins. Le cours de divination. Le cours de potions. Et le cours de sortilège, qui est trop beau parce qu'il est holographique. Et le seul que j'ai pas pris, c'est Métamorphose, mais en fait, au final, peut-être que je le prendrai quand même. Je sais pas. Mais voilà, donc ça, c'est ce que j'ai pris. Et alors, j'ai aussi eu déjà un cadeau, comme si c'était pas suffisant, de mon frère qui m'a pris ce super mug. Parce que c'est le Don't Let the Muggles Get You Down de Ron Weasley. Je le kiffe. Et en fait, il est trop beau parce qu'il est tout long comme ça. Donc vous avez le truc de Poudlard, le sigle de Poudlard, allez, le blason de Poudlard, là juste derrière. Et puis vous avez ça, mais il est gigantesque quoi. Il est trop trop beau. Donc voilà, c'est juste pour les petits achats du jour. On s'est aussi pris un petit truc chez Lush parce que après une journée comme ça, on va se faire un bain bien chaud avec un petit thé. Et puis on va réfléchir à notre journée de demain. Et puis je vous dis à demain. Thank you.
Coucou, alors on se retrouve le samedi 8. On s'est mis en route, il est 9h20 du matin. Et là on va faire quoi? On va faire. On a prévu un espèce de petit circuit de certains endroits qu'on veut absolument faire aujourd'hui. Quelques boutiques pour Leandro, parce que lui on n'est pas trop sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les achats, et puis d'autres trucs qu'on a envie de faire. Et puis ce soir on fait le, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin c'est un espèce de ghost tour en fait au cimetière du Greyfriars Kirk. Donc on va sûrement rentrer à la chambre à l'hôtel en milieu d'après-midi pour se reposer un peu. Et puis voilà, on est en fait tout près de la mer, donc c'est super agréable, il y a un superbe ciel. Apparemment ça va pas durer, je pense qu'il va pleuvoir cet après-midi, donc on va profiter du matin qui fait beau. Et puis ben ce soir on sera sous la flotte dans un cimetière hanté. Je ferai moins la maline, je pense. Demain on part, je pense qu'on devra se mettre en route dans l'après-midi pour regagner l'aéroport, etc. Et du coup au matin on va faire une visite du palais. On n'aura pas le temps de faire le château, mais en même temps on ne sait pas tout faire. Mais on va aller voir le palais parce que y a notamment la chambre de Mary Queen of Scots. Et c'est un truc que j'ai très très envie de voir. Donc voilà pour le programme de la journée. Je vous retrouve beaucoup plus tard puisque il est... Quelle heure ? Il est quelle heure ? Il est 18h07 et on est rentré à l'appartement. Donc vous avez vu, je vous ai fait quelques images. Je vous ai pas trop filmé aujourd'hui, j'ai pas pensé. Mais je vous ai notamment filmé l'Elephant House qui est du coup le café où J.K. Rowling a écrit quelques chapitres de Harry Potter. Et c'était juste ouf dans les toilettes.
C'est incroyable. Si vous voulez vraiment aller dans ce café, alors c'est vrai que c'est chouette d'aller dans le café, mais vraiment les toilettes, ça vaut le coup d'œil. Parce qu'il y a un million de mots de fans et c'est juste trop cool. J'ai passé je sais pas combien de temps à lire les mots. C'était vraiment super chouette. Mais du coup, on a fait plusieurs points un peu clés aujourd'hui qu'on avait besoin de faire. Alors oui, j'ai pas précisé. Je suis en pull de pyjama parce que j'ai eu froid toute la journée. Et que on se réchauffe parce qu'après on ressort. Donc bon. Donc on a fait plusieurs boutiques qu'on avait vraiment envie de faire. Il y avait notamment on a fait des antiquaires, on a fait un magasin de pierre, un magasin un peu ésotérique qui était vraiment chouette. Enfin, on a fait plusieurs boutiques, on a été manger, voilà, on a fait plein de trucs sympas. Mais du coup, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté et je vous expliquerai après ce qui est prévu pour ce soir. Donc là, j'ai acheté le quatrième carnet que j'avais pas... Quatrième ? Ou cinquième ? Enfin, soit le carnet qui me manquait par rapport à ceux que j'avais acheté hier. Donc ça, c'est celui de Métamorphose. Avec voilà le petit rat, c'est trop chouette. Donc c'est le dernier carnet d'exercice de Poudlard. Donc ça, je l'ai pris. Ensuite... qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Bon, je vous montre même si vous en avez rien à serrer, mais j'ai trouvé une blouse en friperie. Trop belle, et je l'ai payée 5 livres environ. Hop, elle est un peu comme ceci. Hop, il y a le truc du cintre qui vient avec... Hop, petite manche chauve-souris, elle est trop belle. Elle était en super état, et pour 5 livres, mon Dieu, je me suis pas trop posé de questions. Et puis, en fait, dans un antiquaire, j'ai chiné ce tout petit plateau doré. Alors, c'était un super antiquaire. Il s'appelait Unicorn. Unicorn quelque chose. je ne sais plus trop comment ça s'appelait. Mais c'était vraiment super chouette. C'était bien rangé. C'était pas trop le fouillis. Et du coup, je me suis pris ce petit plateau doré. Parce qu'en fait, quand je travaille à l'hôtel avec notamment... tout ce qui touche aux énergies solaires en fait, j'avais déjà pensé à me prendre un petit plateau doré comme ça, mais bon, moi je préfère les trouver en occasion, en friperie, en chinant, en brocante, ce genre de choses. Donc là c'était l'occasion. Alors il n'est pas y a pas de dessin particulier en fait, ça représente rien, mais voilà, j'aimais beaucoup le fait qu'il soit très brut en fait, j'aime bien. Et je pense qu'il m'a coûté 3 livres, 3 livres 50, un truc du genre. Donc voilà, et la dernière chose que je vous montre du coup, concernant les achats, a priori c'est tout. Ah non, encore deux choses. Bon, ok, attendez. Voilà, ça c'est l'achat que je voulais faire depuis super longtemps. Et en fait j'attendais d'être en Écosse pour l'acheter parce que je trouvais que ça avait vraiment plus de charme. Je me suis acheté ma Tin Whistle, ça y est, je me suis acheté une première... Ma première tin whistle, et donc c'est une Dixon, une Tony Dixon en D. Et voilà, je suis très contente. J'ai déjà testé en rentrant là. Et voilà, j'avais très envie d'apprendre la tin whistle depuis un moment. Et vu que c'est une flûte, irlandaise, alors même si je suis pas en Irlande, je trouvais ça plus approprié que de la commander sur internet. Parce que je savais que je venais ici, du coup. Voilà. Donc ça c'était pour mon petit achat, un peu peut-être inattendu pour certains d'entre vous. Et puis je me suis acheté un livre évidemment, et j'ai acheté le Tarot for Yourself de Mary Greer. Ouais. Et alors je vois par contre qu'il y a Benebel Wen cité. Pourquoi il y a Benebel Wen cité? Est-ce qu'elle a fait la préface? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un livre qui a l'air super chouette. Ça parle de tarot journal, ça parle, il y a certains spreads, il y a la personnalité des personnages de la cour, gérer ses émotions avec le tarot, planifier avec Bob. Planifier avec le tarot, les tarots et les cristaux, guérir, la créativité, le tarot, enfin, ça a l'air trop bien. Et il y a vraiment des passages comme ça avec des questions et tout. Donc c'est un livre d'exercice un peu. Mais c'est vrai que j'en avais déjà entendu parler.
Et du coup, bah, c'était l'occasion. Je l'ai acheté dans ces petites boutiques ésotériques là, justement. Après, j'ai acheté d'autres choses, mais c'est pour ma fille, mon mari, ma maman, etc. Donc c'est pas, je vais pas vous montrer ça là. C'est pas le but. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ? Ce soir, alors il faut savoir que c'est la tempête. On a super bien choisi notre soir. En fait, on a réservé hier pour faire le ghost. Alors comment ça s'appelle exactement ? Je vais vous donner le nom exact parce que sinon c'est pas le City of the Dead Tour. Donc c'est le tour du cimetière hanté. Donc le Greyfriars Kirk. Et on est censé faire ça à 20h30, donc partir d'ici à 19h15. Le truc, c'est que il faut savoir que ce soir, il y a deux choses qui rendent l'expédition un peu compliquée. La première, c'est qu'il y a une tempête dehors, puisque c'est la tempête Ciara qui vient de je sais plus où, les États-Unis, Québec, et qui traverse l'Irlande, le Royaume-Uni pour aller vers la France, la Belgique, etc. Donc, il s'avère que il fait absolument dégueulasse, il pleut, il drache. Et il fait froid, et il y a du vent, et voilà, donc déjà ça c'est pas cool. Et puis deuxième chose, c'est que juste à côté du cimetière, en fait il y a le stade d'Édimbourg, et il y a un match de rugby, et donc ça va être blindé de monde je pense. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer, on vous donnera des nouvelles évidemment. En fait je vais pas vous filmer là-bas, hein. Ça c'est sûr, certains je prends pas mon appareil photo pour aller jusque là, mais bon. On verra bien, du coup, suite au prochain épisode. Bon, on est de retour, on est le dimanche 9 février, c'est le dernier jour à Édimbourg. Et alors, hier soir, on est allé, je vous avais laissé parce qu'on se préparait à aller au cimetière Greyfriars. Et bon, il y avait la tempête, il pleuvait très fort, mais on est quand même allé. On est rentré trempé jusqu'aux os. Enfin, surtout mon frère, parce que moi, j'étais un peu mieux couverte, mais... Ouais, c'était assez costaud comme temps. Au final, on a fait un tour plus cher, en fait, parce que les organisateurs se sont dit qu'on allait un petit peu souffrir si on restait une heure et demie dehors complètement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait aussi quelques souterrains, en fait, d'Édimbourg. C'était super intéressant. Après, c'était pas hyper folichon, mais c'était sympa. Il faut évidemment avoir un super niveau d'anglais parce que sinon vous comprenez strictement rien. Mais c'était sympa. Alors là, ici, on va s'apprêter, il est 9h40, on va s'apprêter, oups, vous ne me voyez plus, à faire le check-out à l'hôtel. Et puis on décolle à 18h40, donc je pense qu'on a jusque 15h environ. Encore en ville, et puis il faudra qu'on fasse le chemin du retour vers l'aéroport. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. Je vais peut-être vous faire un mini room tour. Je sais que ça intéresse parfois certaines personnes, mais je vais vous faire un mini room tour. Et puis, je vais clôturer le vlog ici parce que concrètement, là, ce matin, on va aller au palais de... Comment ça s'appelle encore ? Holyrood House, un truc du genre. C'est le palais où il y a la chambre de Marie Stuart. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de voir depuis un moment. Le château, on n'a pas eu le temps de le faire. Il est de toute façon plein jusque... Enfin, il aurait fallu réserver bien plus longtemps à l'avance. Mais de toute façon, comme dans toutes les grandes villes et comme dans tous les city trips, il y a une part de frustration puisqu'on ne sait pas tout faire. Donc je vous fais le petit room tour. Normalement, on fait ça au début, mais bon, c'est pas très grave. Donc en fait, là, c'est l'entrée. C'est un appart hôtel, hein. C'est pas un hôtel. Donc là, vous avez un peu une chaufferie, etc. Et en fait, on avait chacun notre chambre. Donc moi, j'ai dormi ici avec... la salle de bain qui était privée, du coup. Et puis, hop, quand vous filez ici, vous aviez la deuxième chambre juste là. Je vais l'ouvrir. Oups. Donc la deuxième chambre ici. Voilà. La deuxième chambre ici. Et puis, vous aviez encore une salle de bain juste là. J'ai oublié une trousse d'ailleurs, faudra que je la range. Et puis là, ben, vous avez en fait un petit salon. Un petit salon avec une petite cuisine, donc c'était vachement sympa. Et le truc génial, c'est qu'on avait YouTube, Netflix, enfin c'était assez cool pour le soir du coup. Mais voilà. Je vous laisse ici du coup, j'espère que ce petit vlog vous aura plu malgré tout. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme image, je sais plus, je verrai bien au montage ce que ça vaut. Je vous dis à très bientôt
pour une prochaine vidéo sur Papote et Lunaison. Salut.